Hey, bien bonjour à tous et bienvenue pour du Anno 2205. J'espère que vous allez bien tranquillement, que le son est correct du fait que j'ai formaté le PC tout le tralala. Normalement, tout va bien puisque c'est le réglage version Twitter. Du coup, on se retrouve sur du Anno et on va continuer un petit peu la quête. Alors, nous en étions où? Nous en étions ici. C'est magnifique. Cependant, actuellement, il nous demande de produire de l'alimentation de luxe et obtenir des cadres jusqu'à 5000. C'est quand même assez puissant. Mais également, c'est surtout qu'on a débloqué le pont qui va nous permettre en fait d'exploiter une grande zone de terre qui nous permettra de mettre nos richesses les plus évoluées. Moi, ce que je verrais bien, c'est que là-dessus, je mettrais tout ce qui est type nourriture ou autre. Et là-dessus, tout ce qui est population. Ça pourrait être pas mal. Et ça pourrait être même très bien. Il va falloir juste que... je vais baisser un peu le son, par contre. Voilà. Va falloir juste que je fasse en sorte qu'on ait un accès au pont. Donc, du coup, qui dit accès au pont dit route. Forcément. Voilà, j'ai un accès à ce pont. Faudrait que j'ai un accès à ce autre, l'autre pont. Voilà, une belle route en plein milieu. Et qu'à partir d'ici, en fait, je fais face que tous les champs que j'aurai besoin. Je regarde s'il n'y a pas d'autres minerais éventuellement. Non, c'est beau. Au lieu de faire un pont ici, ouais, enfin bref. Du coup, on va refaire un pont également. Cette fois-ci, on va le tracer en ligne droite. Maximum. Voilà. En plus, c'est bien, c'est que ça coûte pas les routes. Les routes ne coûtent rien. Du coup, on continue. Oh cool, il y a des bateaux. Et salut! Mip mip! C'est trop magnifique. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que comme les habitants ont besoin de belles choses, et que les ouvriers, bah, forcément, ils ont besoin de cadres. Ah oui, ils ont besoin de cadres pour démarrer. On va augmenter du coup tout ce qu'il faut. Nouveau bâtiment disponible. Eh ben, c'est magnifique. Donc, maintenant que ceci est en fait, il nous demande forcément tout ce qu'il va y avoir besoin dans la zone des cadres. Ce qui veut dire l'exploitation de soja, donc c'est des petits champs, de l'alimentation, donc c'est un petit champ ici, puis il deviendra un gros, les champs de vin, et du coup, la nourriture qui va avec, hein, forcément. Et par la suite, des plantations de lin, du silicium, et ainsi de suite. Sont insatisfaits. Oui, oui, je sais, merci. Et de quoi je parlerai au juste? De quoi tu parleras? De fermer ta tronche déjà, hein, pour commencer, et ensuite on verra. Du coup, la violence du mec. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des belles petites choses. Donne-moi ça, toi. Des robots de construction, sympa. Moi, j'aime bien. Robots de construction aussi. Du coup, alors. Moi, ce que je verrais bien, déjà, c'est une bonne petite route qui fait au moins ceci. Déjà, donc ça, c'est déjà un bon point. Je mets une zone de camion. La zone de camion permettra d'accéder à cette zone facilement en passant vers les routes, etc. Du biopylène, c'est bien parce qu'il y en a plein à chaque fois. Donc, ceci étant fait. Maintenant, je sais qu'il va me falloir de l'énergie, forcément. Hop, je vais en mettre un là. Et je vais mettre forcément une route qui va à côté. Comme ça, j'ai une alimentation de ce qu'il faut. J'ai 1400 employés globalement qui a besoin de travailler. Donc du coup, ceci étant assez important, je vais devoir mettre des exploitations de soja. Donc je vais en mettre un là. Vous voyez tout ce qui coûte en plus ? L'exploitation de soja, bien sûr, on peut mettre forcément tout ce qui va avec. Hein. Hop,
Par contre, comment on déplace déjà? Ouais, ça. Voilà. Ah, comme ça, je mets tout ce qu'il faut, je mets lui, c'est magnifique. Je peux pas en mettre plus. Par contre, ce que je peux faire, c'est avoir une réduction de biens au niveau des drones. Bon, j'ai plus de graphène, donc comme ça, bah, d'iridium. Donc, je vais aller en acheter. Bah, de toute façon, j'en ai plus, donc comme ça, c'est pas ici que j'en aurai. Hop, on retourne ici, du coup. Ce qu'on aura besoin du fait que là on va produire énormément de soja, ça se voit, on produit bien, hein. Ah, un petit bonhomme, ça c'est tellement cool, c'est tellement beau surtout. Maintenant que nous avons ça, nous allons pouvoir mettre de la viande, donc ça consomme du soja pour produire de la viande, ce qui est tout à fait normal. On va le foutre sur le côté, tiens, tac. Donc là, tu vois, on produit déjà de la viande. Hein. Là, actuellement, on produit de la viande. Bon, bien sûr, je vais en mettre plus parce qu'on va produire beaucoup plus de viande. Donc, vous voyez, la zone devient assez grande, là, d'un coup. Là, on n'a plus d'énergie. Bon, c'est pas trop grave, on va en rajouter. Voilà. On a déjà largement ce qu'il faut. Donc là, on produit bah, forcément de la bouffe. On est à 550%. De production, donc c'est quand même assez énorme, hein. On peut en rajouter une autre, on pourra en rajouter ici par exemple. Du coup ensuite il leur faudra du vin, mais bien sûr il me faudra des crédits. Donc pour l'instant ce qu'il nous faut, c'est des habitants, donc ça c'est obligatoire, il nous faut des habitants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire des grandes zones d'habitation. Bah tiens, on va faire vraiment la grande zone bourrin. Hop. La grande zone de bourrin. Merde, j'ai pas assez. Alerte. Impossible de satisfaire la demande de certains biens de consommation. Voilà. Donc du coup, eux, bah forcément, ils sont contents. Maintenant, ceci étant fait. Oh, c'est bien, 49 000 de coal. De coal. Oui, bien sûr. Ce qu'il leur faut, eux, c'est des infos. Bah forcément, les infos, hein, il faut bien leur donner. Donc, les infos, on va foutre ça. Voilà. Et on va en foutre un également ici. Donc, déjà là, vous voyez que ça consomme quand même déjà pas mal. Ça a besoin d'être évolué, forcément, puisqu'on va mettre quasiment que des cadres. Ici, ça va être la zone des cadres. Donc... Bah pour l'instant, va leur falloir plus, hein, forcément. Pourquoi je peux pas en mettre plus? Ah, j'ai pas assez de biopilème. Biolimère, je veux dire. Le biolimère, on le produit où? On le produit ici. Hein. Et forcément, ça demande plus de capacité. Biobilème. Faudrait que j'en mette un ici, tiens. Production. Biobilem. C'est quoi ça? Ah, les plantations. Donc, hop, on fout ça. Voilà. Au moins là, on produit. Hein. On fait tout ce qu'il faut, on produit. Je vais enlever un petit peu d'énergie, parce que c'est quand même pas mal au niveau énergie. Maintenant ça en produit que 4, ça en consomme que 14, donc c'est déjà bien. Maintenant ça, on est à 300%, donc là-haut on produit extrêmement bien pour alimenter le tout. Voilà, donc vous pouvez voir que là déjà ça commence à arriver tranquillement, hein. Un plan neuro. Ah, ils vont avoir besoin d'un plan neuro par contre. Ça va être un petit peu problématique. Très clairement, ça va être un petit peu problématique. Puisque les implants neuro, si on voit ici, dans la zone des implants neuro, on est en déficit. Donc, on va être
au max. Ils vont être en déficit ici, mais c'est pas trop grave du fait qu'on n'a pas chargé la zone, donc on s'en fout. Donc du coup, on va pouvoir augmenter encore. Vous pouvez voir que là, bah, ils sont contents, du coup. Là, on commence à tirer une bonne alimentation de cadres. Eux, leur faut de la sécurité de toute façon, donc ça, c'est pas trop un problème. Économie en chef, magnifique, plus 10 000 de crédit. Sécurité. Maintenant que je vais mettre la sécurité, je vais la mettre ici. Pourquoi ? Parce que, comme ça, je vais pouvoir actionner en même temps cette zone-là et cette zone-là. Voilà. Donc déjà de la très bonne zone. On va pouvoir les augmenter encore. Cependant, je vais quand même essayer d'augmenter... Pourquoi je peux pas ? Manque bâtiment de ce type. Ouais, c'est vrai. Approvisionnement inapproprié. Ouais. On verra ça plus tard. On va augmenter. Oh, des beaux cadres. Besoin de quelque chose ? Ouais, il manque des robots. Alors là, vous voyez, on commence à tirer une population de cadres assez extrême. Hein. C'est quand même bien. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Par contre, c'est vrai que ici, on aura un petit peu de problème de jus de fruits, de plantation de riz, de biosimère. Hein. Tous ces trucs-là, de toute façon, on va en avoir besoin en masse. Donc, arbre adéquat. Ok. Du coup, il va falloir faire des grosses plantations de sa mort qui tue pour qu'on puisse faire tout ce qu'il faut. Arbre adéquat, c'est cool. Je sais pas pourquoi il y a des arbres adéquats ici. Ça doit être une quête. Excellent. Ah oui, c'est une quête. C'est magnifique, c'est déjà une quête. Que j'aimerais confier à votre Obtenir un rendement supérieur à 12 000 sont insatisfaits. Ouais. Supérieur à 12 000, ça risque d'être dur. Les implants neuro, il va falloir que je les augmente dans l'autre monde. Hein. Obligatoire. Ouais, tais-toi, toi. Va falloir que j'augmente tout ça. Là, les 4, de toute façon, ils descendent forcément, puisque derrière, on a plus assez d'implants neuro. Elle a l'air toute mignonne, la Beaumont. Tiens, ça, je prends. Je prends tout. Comme ça, on a largement ce qu'il faut. Il va falloir que je mette, forcément, des champs comme ça. Bon, ça consomme pas mal, mais bon, c'est pas trop grave. Vous avez engagé votre parole. Ah ouais, j'ai engagé ma parole. Voilà. Je produis bien. C'est de la qualité. Je peux faire une petite zone en moins, donc du coup moins d'ouvriers, donc ça m'arrange. Ça consomme 40, c'est pas trop un problème. Du coup, il nous faut de l'eau. Et forcément, ça va être problématique aussi. Voilà. Faut que je produise de l'eau. On a 8. Voilà, on a plus 2, donc ça c'est déjà magnifique. Pas besoin d'eau, de transport, je vais juste réduire un peu le drone s'il faut. De toute façon, je peux pas, donc comme ça c'est bon. Il me faut des plantations de riz. Plantation de riz. Eh ben le riz c'est là. Voilà, plantation de riz à gogo. On réduit la capacité de main d'œuvre. Donc là, on doit être en excédent. Maintenant, il nous faut des arbres de fruits et tout ce qui va avec. Donc les arbres, c'est les opérateurs. Donc on a besoin de champs. Lui, par contre, je vais en mettre un là-haut. Voilà.
Ah, on commence à être juste aussi en électricité. Et ben, on va rajouter. Accumulateur réduit. Ouais, ça je vais en mettre. Alors pourquoi j'en mets? En fait, ça réduit là du coup de 50% le coût du maintien. Donc du coup, j'ai un gain de plus quasiment 10 000 par minute. Donc c'est quand même pas rien. Du coup, ça je vais en avoir besoin. Forcément, la limitation est acceptée. Le drone et autres, on s'en fout un peu parce qu'on a déjà largement ce qu'il faut. Ça, je vais en rajouter pour en avoir plus. Maintenant, étant dit, il faut que je fasse des boissons vitaminées. Ben forcément, les boissons vitaminées, on va devoir en mettre. Alors, du coup, je vais en mettre là. Voilà, j'en ai plus 17, c'est largement ce qu'il faut. Touk touk touk. Alors il manque du coup des arbres. Il va encore falloir des arbres. C'est plantation. Des arbres à fruits. Donc les arbres à fruits, on en met là. Voilà. Je vais essayer d'en mettre pas beaucoup non plus parce que sinon la production va être un petit peu en excédent, ça sert trop à rien. Il me faut les pépères là. Donc ça veut dire que je dois augmenter la base. Donc ça veut dire la production d'algues. Voilà, production d'algues, je l'ai augmenté. 88 personnes, c'est parfait. Production d'énergie, consommation, c'est parfait aussi. Maintenant, ceci, on va devoir augmenter la taille. Ça va être un peu problématique là. Alors, il fallut que j'arrive à dérouter un peu la route. Ouais, il faudrait que je déroute un petit peu la route ici. Mais je suis pas sûr que je puisse le faire, sachant qu'il y a un truc à côté. Ah si, quoique. On va voir si je peux le faire. C'est magnifique. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant c'est bon, ça c'est bon, c'est bon. Du coup, bah forcément eux sont toujours en dèche. Ah, c'est eux qui sont en dèche. Voilà. Maintenant on est en excédent de ça et de ça. Maintenant il faut du soja, donc on va à l'opposé, ce qui veut dire ici. Soja, ça se trouve là. Du coup, maintenant. Re-besoin du soja. On est toujours à moins 4 ou pas? Non, on est à plus 4. On est en excédent, c'est parfait. Maintenant le produit de luxe. Ça commence un petit peu à être juste là par contre. Production de lustre. De luxe. De lustre. Oui, je vais produire du lustre. Il leur faut du vin. Forcément. Forcément, il leur faut du vin. Le vin, je vais commencer à le construire par là-bas parce que ça demande beaucoup de choses. Ah, il nous manque du graphène. Tiens, ravi de vous, mépris sont imbattables. Je crois que j'en ai pas assez du graphène. Le graphène, c'est quoi? S'obtient principalement en termes de mission dans le secteur ou de crise. Forcément. Mépris sont imbattables. Les prix sont imbattables, c'est pour ça que je viens de te les bouffer. Iridium, j'en ai pas besoin. Graphène, 45, large. Ok, j'accepte. J'accepte des choses. Utiliser le véhicule pour récupérer cargaison. Et bah, je la récupère. Donc comme ça, on va obtenir du graphène. Et ce graphène-là, du coup, va nous permettre forcément bah, de construire encore plus de choses.
Hop là. Oui. On est en route. Ah merde. Bien reçu. Utilisez le véhicule pour livrer. Ok. Il y a juste ça ? Félicitations. Ah bah c'est magnifique. Votre solution était quasiment optimale. Excellent. Merci bien. Aidez du coup, j'ai besoin de vin. Ah oui, c'est le vin, le fameux vin. Je suis en plus 4 de production. Voilà, j'ai assez de vin. Normalement, il y a tout ce qu'il faut. Faut 600 de rentabilité, faut 80 personnes. Je vais mettre un drone au milieu, tiens. Hop, YOLO. Oh, que c'est beau. C'est magnifique. Maintenant, il nous faut de l'alimentation de luxe. L'alimentation de luxe, ce qu'il nous faut, c'est du bœuf et du vin. Voilà. C'est largement ce qu'il faut, en fait. Donc du coup, 45 000 de crédit, 10 alliages, 5 polymères, 15 robots. Bon, bah, je vais mettre ce qu'il faut. Je vais le foutre là. Ah, nous sommes en déj d'énergie. C'est pas trop dur. Je vais en rajouter. Hop. Voilà, on est à 17. On est tranquille. Maintenant, l'alimentation se trouve là. Et il m'en manque que 2 pour être content. Et bah, je vais en rajouter 2. Voilà, on est à 6. On est en excédent. Bon, on n'est pas en excédent de tout, mais on est quand même en excédent. Du coup, ça voudrait dire que au niveau des cadres, du coup, bah, ça, forcément ça augmente. Parce que ils sont contents. Ils ont de l'alimentation de luxe. Alors, en ayant cette alimentation de luxe, on va pouvoir débloquer d'autres choses. Construction possible de nouvelles structures. Nouvelle structure. Eh ben on va construire. Alors du coup, ça va faire quoi ? Déverrouille la région lunaire. Ah, c'est magnifique ça. Permet l'exploitation de routes de transfert lunaire. Oh, c'est cool. Avoir 32 graphènes. Hein, ça risque d'être dur. Remporter la victoire dans le secteur de crise. Acheter du graphène auprès d'un marchand. Remplir les missions facultatives. Et atteindre le niveau de corporatiste suivant. Et bah, c'est magnifique. On va avoir des choses. Forcément, bah, ça demande des choses. Lui, par contre, il demande toujours son rendement. Il est un petit peu chiant. Et c'est parti! Amélioration du spatioport approuvée. Ouais, et du coup, il me faut quoi pour... il me faut 32 graphènes. Graphène, t'en as pas toi des fois ? Comme moi, personne n'arriverait à rien. Ok. Non, bah j'ai largement ce qu'il faut. Tout ce qui reste à faire, c'est baptiser la rampe de lancement. Bah t'inquiète pas, je vais la baptiser, tiens. Pouf ! 4, 3, 2, 1. Fusil ! Au revoir ! J'adore les trucs, ils sont cubes. Cuboïde. Oui, direction Lune. Coucou. Oula. Nous atterrissons sur la Lune. C'est un moment historique. C'est un moment historique. Les mondes sont braqués sur vous. La phase 3 a commencé. La deuxième vague est en route pour la Lune. Vous en avez fait du chemin. Mais tu m'étonnes que j'en ai fait du chemin. 384 400 km à parcourir. Vos colons n'attendent plus que vos ordres. D'accord, donc... ça voudrait dire qu'on a besoin de faire une lotte à la conquête de la Lune.
Cette conquête de la Lune, on ira la faire plus tard, hein? Parce que pour l'instant, c'est une visite officielle. Eux, ils sont contents. Arctique, un plan neuro, ils en manquent. Cadre. Il leur faut 10 000 de cadre pour obtenir ce qu'il faut. Ça va, ils sont pas trop. Ouais, forcément, les implants neuro, ils sont pas contents du coup. Un plan neuro. Ouais, il faudrait que je cherche la zone là. Voilà. Déjà un truc de bien. Maintenant, eh bah dis con, on va aller direction le secteur lunaire. Parce que pour l'instant c'est pas mal. À moins qu'on fasse une quête. Sortez nos navires de là, et on a un seul morceau. Ça nous donne des points d'expérience. Refuser la mission pour l'instant. Ah merde. Nous n'avons pas les moyens militaires de régler. Merde, j'ai refusé la mission, quel con. Neutraliser. Oh, ça obtient du pétrochimique. Tiens, je vais l'accepter celle-là, tiens. Par contre, c'est con que je l'ai refusé. Watch a mobilisé toutes les ressources à sa disposition. Ils savent que nous sommes désarmés et pourtant ils mobilisent contre nous toute leur flotte de guerre. Nous n'avons que vous pour nous défendre. Ah, d'accord, en fait ils ont que nous pour nous défendre. Bientôt vous souhaiterez ne jamais avoir pénétré sur notre territoire. Oh, tais-toi, toi, je vais te défoncer ta face. Oh, c'est ça. Bien reçu. Oui, il y a des belles choses. Alors, du coup. Paré à l'action. Impulsion électromagnétique. Et bah voilà, c'est magnifique. Là, c'est de l'exploitation. Bah, de l'exploration plutôt. Oh, c'est tellement cool. Du graphène. Maintenant, exploitation, explosion de ça, de ça. Ennemi repéré, ouvrez le feu. Ouvrez le feu. Ils sont en train de crever tout seuls. Voilà. Explosion. Électromagnétique. Système d'armement activé. Ne bougez pas. Cible acquise. C'est tellement cool. Cible acquise. On va peut-être réparer un jour mes petits trucs. Coordonnées confirmées. Tiens, on va péter le truc. Puissance dérivée sur les boucliers. Oui, bouclier activé. On est paré. Oh, un petit puits de pétrole. Missile nucléaire, lance. Boum. Bon, c'est magnifique. Nouveau succès obtenu. Alors maintenant on va ici parce qu'on va détruire ça. Ça on va le péter après de toute façon. Tiens. Voilà. Des produits pétrochimiques, c'est magnifique. Donc du coup bah j'en récupère. Voilà, c'est magnifique. On va détruire les mines. On va récupérer des soins ici, c'est pas mal. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait lui, mais. Bien reçu. Euh,
Du coup, je vais les réparer. Tiens. Hop. Voilà, c'est magnifique. Donc du coup, bah ils vont ici, tiens. Ça fait un long épisode, mais c'est cool. J'aime bien les longs épisodes. Je peux faire une petite frappe. J'adore comment ça pète. Oh, un sous-marin! Au poste de combat, il nous attaque. Ah oui, il nous attaque. Tiens, voilà. Ils y sont plus bizarrement. Engagez le combat. On est paré. Ah, lui, un petit peu en dèche. Paré à l'action. Je n'aurai pas le rien du tout. Au poste de combat. Il faudrait que je fasse gaffe. Cible acquise. Oui, de l'iridium à gogo. On est paré. Bon, ils sont en train d'attaquer de tous les côtés, hein, mais... Affirmatif. Bon, alors, ils attaquent. Ah bah voilà. Voilà, un peu le genre IEM. On attaque ça. Putain, la puissance de l'explosion. Affirmatif. Voilà. Drone de réparation lancé. Voilà, ça c'est magnifique. Du coup, on va pouvoir exploser ça. En fait, on est en train de faire vraiment le nettoyage de toute la map. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Putain, il va en plein dessus ce con. Cible acquise. Cible acquise. Il est vraiment con ce bateau. Bien reçu. Tiens, on va couler lui et j'ai pas d'énergie encore. C'est parti. Tiens, on va péter le tout. Système d'armement activé. Oh putain, la puissance du truc. On est un petit peu en déche. Auto-réparation en cours. Voilà, je suis en train de réparer le truc. En avant, tout. En avant, tout. On est en route. Affirmatif. Reçu. Voilà. C'est parti. Et voilà. Ouvrez le feu. Affirmatif.
affirmatif. Putain, c'est tellement puissant. Passez en état d'alerte maximale. Système d'armement activé. Paré à l'action. Ne bougez pas. Au poste de combat. Coordonnées confirmées. En cours de réparation. C'est parti. Système d'armement activé. Miaou. Bien reçu. Et voilà. Système d'armement activé. Tout le monde au poste de combat. Affirmatif. Oh, plein d'iridium. Bien reçu. Missile nucléaire lancé. Bien reçu. On commence à péter. Cible acquise. Missile nucléaire lancé. En avant, tout. Ah, il y a des trucs pétrochimiques ici. Coordonnées confirmées. Bonjour. Ennemi repéré, ouvrez le feu. Voilà. C'est ça que j'aime bien. Ça va drôlement bouger. Bien reçu. En avant, tous. Cible acquise. On a fait tout le tour. Ah, c'est lui le achievement. C'est parti. Eh, attendez. Voilà. Cible acquise. Et voilà. En avant, tout. Drone de réparation lancé. Ah, ça c'est magnifique. Maintenant, on pète lui. C'est parti. Bon, bah c'est cool. On aura nettoyé un petit peu tout. C'est parti. Affirmatif. Maintenant que ceci t'en fuit, eh ben on va attaquer système au dernier truc. Activé. On va aller par ici. Reçu. Donc les. Système d'armement activé. Eh bien là. Affirmatif. Voilà. Dégagez. Nous sommes sous le feu. Nous sommes sous le feu. Ils sont en train de se faire défoncer les autres, mais c'est pas grave. Affirmatif. Oh, j'ai un gros missile pour eux, tiens.
Lancement de missiles nucléaires. Extinction des feux. Identifiez. Vous avez l'œil. Oui, c'est bien celui-là que vous devriez éviter à vous. Repoussez-les. Je suis en train de les défoncer. Repoussez-les. Vous êtes notre allié le plus fiable contre ces illuminés. Je l'ai défoncé. Vous avez évité le désastre. Je l'ai défoncé. C'était très avisé de votre part. Et ben voilà. Cette bande de rats qui s'en prend à nos navires, faut leur en faire baver. Bon, bah du coup, nous, on va se laisser là. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais me faire la petite mission là en mode off. Et du coup, on se retrouvera pour la prochaine mission qui est le projet lunaire. Sur ce, bisous tout le monde et à la prochaine. Bisous.